Vraiment, décidément, aujourd'hui, c'est la totale, hein, comme je viens de le mettre sur le chat. Désolé de mon expression. Hein. Mais bah, XSplit, j'ai compris pourquoi il plante. XSplit, tout simplement, j'ai l'impression que quand il y a une mise à jour qui est prévue sur le serveur, il se met en PLS en fait. Hein. XSplit se met en PLS pour te faire comprendre qu'il y a une mise à jour à faire. J'ai à peine coupé le XSplit, excusez-moi. Et qui m'a dit, bah tiens, il y a une mise à jour à faire. Bon, bah là, ça a l'air d'aller. Non, ça drop encore. Non, ça drop. Bon, bah ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, je pense qu'il y a les deux. Hein. Il doit avoir la 4G aussi qui fait que c'est pas bon. Je comprends pas. Je viens de refaire un speed test, je suis bon en upload. Je suis à plus de 20 mégas en upload et là ça drop. Je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, je vais baisser un peu la caméra parce qu'on dirait que je suis tout écrasé. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Mon micro est mis, ouais, ça va, mon micro est mis. Bon, bah ça drop, hein. Bon, bah, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Ouais. C'est la totale, ouais, la totale quand même. Ouais. Bah, j'en sais rien, je comprends plus rien, Megan. Franchement, aujourd'hui, Kenny, je comprends plus rien. C'est pas ma journée. Alors, c'était à peu près la seule journée où je pouvais streamer, parce que demain, c'est sûr que je serai pas. Ça sera pas possible ni vendredi. Ah, peut-être samedi, j'essaierai de faire un petit live samedi. J'ai ma femme qui travaille samedi, donc je vais essayer de m'arranger pour faire un live. Moi, ça drop encore. Salut Vénère! Bah, je vais pas streamer longtemps, Vénère. Je suis juste en train de faire un test. Là, j'ai des gros soucis avec. Des gros soucis avec ma 4G. Ma 4G vient de me lâcher il y a même pas 1 heure. Donc c'est revenu là. C'est revenu, mais le problème c'est que. Il y a XSplit aussi qui fait des siennes. Donc là j'ai du drop. Voilà. Pour passer ce point, vous avez besoin de l'ascenseur à cordes. Comment ça, l'ascenseur à cordes? C'est quoi ça, l'ascenseur à cordes? Moi, j'essaierai peut-être de faire un live demain soir, peut-être à 21 h, ou un lama. Viens ici, Serge. Alors, il s'est barré le lama. Il est plus là le lama. Alors, est-ce que je peux reprendre. Hein? Attendez, on va essayer. Non, je peux pas. Non, mais ça m'énerve quand même. J'ai pas. En ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de streamer. Pour le peu que je peux streamer. Bah ça bug, ça bug, ça bug, ça. Là le jeu Tomb Raider est fluide, mais c'est pas. C'est le reste qui est plus fluide alors en fait. C'est la 4G XSplit qui a pris le relais. Quand même incroyable. Hein. On va pas dire que j'ai de la chance, hein. On va pas dire que je suis gâté, hein. D'accord. Je vous entends. Je viens de comprendre que je me suis trompé de touche. Cool. Ouais, ça drop, ça drop, ça drop. Ah non, non, mais ça commence à me saouler ce truc là. Tout le temps des soucis. Si c'est pas mon Windows, c'est la 4G, c'est pas ça, c'est autre chose. Alors actuel, on va pas dire que je peux pas streamer dans la tranquillité et rester zen parce que bon, voilà quoi. Ah bah je peux ramasser de nouveau les. Non mais tout à l'heure, je me suis sûr que je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche tout à l'heure en fait. Ah bah cool. J'appuyais pas sur X. Bah ouais, mais après c'était la manette de PS4. Hein. Donc, ouais, bon, enfin bref. On n'a rien vu. Là j'arrive à récupérer des objets. Donc ouais, non, mais je me suis trompé de touche.
comprenais pas pourquoi je pouvais pas ramasser. Ouais, un crapaud. Un petit crapaud. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je peux pas le tuer, lui. Tiens, mon crapaud, il est mort, là. Moi, je suis fatigué. Je commence à saturer aussi, hein. Tout ça, je suis fatigué. Le bonhomme commence à saturer. Entre... Non, tout le temps courir pour me soigner. Entre deux, j'ai des trucs importants qui se débloquent pas. Il y a tout le temps des trucs qui font que ça marche pas du premier coup. Alors ça commence... voilà. Puis le fait de pas pouvoir streamer un peu plus aussi, bah ça c'est... Ça j'ai pas trop le choix. Hein. Voilà. Bon. Ça fait un souci en moi, effectivement, Kenny. Exactement. Ah, la manette fonctionne, mais c'est le bonhomme qui fonctionne plus aussi. Non, mais c'est terrible. Hein. Ah, je peux passer là, ici, on va récupérer une plume. Non, même pas. Bon, j'essaierai de m'arranger pour faire un live. Bah non, vendredi, je suis pas là. Pratiquement pas là de la journée, vendredi. Ouais. Ouais, là, j'arrive à récupérer la peau. Ah, on dirait que ça a arrêté de dropper, non? Ouais, je sais, Megan, je sais, mais tu sais, c'est gentil, franchement, c'est sympa, hein, sympa de ta part. Mais, bah, généralement, j'ose pas demander, quoi, hein, comme d'habitude. Hein. Ça va? Ah, c'est lui qui criait tout à l'heure. Vous aider. Va-t'en, t'as rien à faire. C'est le petit, c'était le gamin qui criait, on entendait crier. Moi, bon, je me suis même Écoute, pas inquiété. Je sais que ça fait mal, mais... Ah, ça a l'air d'être bon, apparemment là ça drop plus, donc ouais. C'est qui ça? Oh purée, c'est pris deux flèches le mec. Tu veux me taper Megan? Oh non non non. Faut pas me taper. Non, je sais bien que tu rigoles. Hein. Je sais que tu rigoles, y'a pas de soucis. Ah si, attends, 5100, ouais, ça revient, ouais, ça drop encore. Peut-être baisser la qualité, peut-être. Attendez, j'ai baissé la qualité, parce que le bitrate, en fait, j'ai dû le remettre manuellement, je sais plus à combien j'étais. Du fait qu'XSplit a planté, et que j'ai perdu tous mes réglages, du moins au niveau réseau. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Je fais des recherches. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. J'espère que tu vas bien, Vénère, en tout cas. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te... Ah, vous voyez, le jeu est pas si beau, hein. Je suis en direct X11, il est pas beau le jeu, hein. Il est pas terrible, hein, graphiquement, hein. C'est pas une tuerie, hein, sur PC, hein. Mais bon, j'ai plus de lag aussi, hein. J'ai plus de lag. Le jeu est fluide. Ouais, c'est compliqué en ce moment, Vénère. Pas très actif sur Twitch. Plein de projets au niveau privé qui font que ça n'avance pas. Tout le temps en train de courir ces derniers temps là pour pas mal de choses et pff, c'est ça sature un petit peu chez moi. Si tu quoi. N'es pas du culte, comment nous as-tu trouvé? J'ai trouvé une... Ouais, pas de soucis Megan, pas de problème. Ouais, ouais. Non non, mais pas de problème. Rien de tout ça. En tout cas, sympa de sa part en tout cas. Tu peux lui dire la qualité, ça va, je trouve. D'accord. Pourquoi s'en prendre à votre fils? Ouais, c'est la qualité du jeu qui est pas top, quoi. C'est pas... Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Ah ouais, d'accord, les Trinitaires. Ouais. Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune.
19h30. Voilà. La voler ? On va essayer d'y aller jusqu'à 20h peut-être. Non. On va voir un peu. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. On aura peut-être, pourquoi pas, si tout se passe bien, fait un petit live. D'une heure. On va voir. Un petit peu. Est-ce que je peux vous montrer ceci ? En même temps, je regarde si ça drop ou pas. Hein. Vous savez ce que c'est ? Oh là là, c'est quoi ça ? Paititi ! Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors ? Titi et gros binet ! Ah, fallait que je le dise. Hein. C'est un lieu de mort et de sacrifice. Oh, on y croit jusque 20h, faut que ça tienne. Tu penses que faut que ça tienne le coup. Oui. Personne n'en est jamais revenu. Attendez, je vais voir, peut-être pour allumer ma lumière. Je vais pour essayer. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ah, je suis tout. J'ai une drôle de couleur de peau, tiens. Je suis orange. Oui. Ouais, je sais pas. La caméra, Amenez-le. C'est pareil, c'est pas génial au niveau lumière. Hein. Jonah. Est-ce que c'est mieux ? Non, ça fait pas beau en fait. Cet homme. Allez, on reste dans le noir. Attendez, je vais changer peut-être comme ça. Voilà. Qui d'autre te cherche ? Ce sera mieux comme ça. Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent. Mais ton ami reste ici. Ah, puis ma caméra, elle est pas. Je sais pas. Au niveau Livia, c'est pas évident à rêver. Hein. Ça va aller. C'est pas facile. Et Casimir, là, ouais. Donne des habits à cette femme. On va pouvoir m'appeler Casimir, effectivement. Je fais aussi vite que possible. Ok. Hey, Jonas, ça. Il y a un moment qu'on l'avait pas vu, lui. C'est très beau ici. Silence. Ouais. Une belle tenue, hein. La tenue est jolie. L'île aux enfants. L'île aux enfants. Ah ouais, on va quand même essayer de sourire. Hein. Faut positiver dans les moments de galère. Tout le temps, sinon... Sinon, malheureusement, on n'avance pas, quoi. Voilà. Ah, j'ai complètement changé de milieu. Rejoignez une ratue. Trouvez un feu de camp. D'accord, ouais, là c'est complètement différent. Hein. Oui. Bon, après je pourrais changer de lieu. Hein, avec les feux de camp, tu peux aller d'un endroit à un autre. C'est ça qui est plutôt pas mal. Allez. Disons juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois le paradis des curés. Promène-toi si tu veux. Tu seras prête à retrouver la boîte de Michel. Vénère. Pour marcher de l'autre côté de la rivière. Bonjour, on va aller voir Serge. Merci. J'attends tout Serge Lama. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui. J'ai vu à quelqu'un expliquer avec ce point. Oh, il est bizarre son lama. Allez, on va lui. Par contre, la tenue de Lara Croft, elle est super belle, hein. Avec ses couleurs comme ça. Oh, ils ont pas grand chose là. Ils n'ont pas grand chose sur eux, hein. Il n'y a pas beaucoup de tissu, hein. C'est quoi de cette tribu là? Ah, c'est vraiment limite au niveau tissu, hein. Ils ont intérêt à faire attention dans les mouvements, hein, parce que sinon. Kenny, Captain Haddock, 7005, le temps du soleil, ok. Le temple du soleil, plutôt. Moi qui ne prononce pas bien, désolé. Oh, ça me disait quelque chose, le temple du soleil. Un couteau renforcé. Oh, bah c'est Arnaud qui m'en avait parlé tout à l'heure, du coup, le fameux couteau. Ah ouais, c'est vrai.
Ce fameux couteau, faut monter le niveau du couteau. Mais apparemment, c'est pas le cas pour moi. Alors attendez, ouais, mais ça, il faut aller dans un feu de camp. Faut aller dans un feu de camp, je pense que pour améliorer tes armes, il me semble. Hein. Ah, vous voyez, ça drop plus. Hein. Pour l'instant, pas de drop, j'ai rien. J'ai vraiment pas changé grand chose. J'ai juste baissé un tout petit peu le bitrate. Ah, j'ai pas baissé le grand chose, j'ai baissé que de 200, alors c'est pas énorme. Hein. Alors, moi, c'est pareil. Hein, qui, moi, j'étais. Je vous cache pas que j'étais pressé de jouer à ce Tomb Raider. Mais avec tous ces soucis techniques, on va dire, hein, tous ces soucis de fluidité dans le jeu, ben ça m'a cassé un petit peu l'envie d'y jouer. Je vous cache pas que j'ai. C'est pareil, j'ai eu une grosse déception à ce sujet-là. Donc là, ça a l'air d'aller mieux. Mais je suis pas. Je suis pas à 100% de la qualité du jeu. Hein. Voilà. Maman dit que ça dérange la waka de la cascade. Ah ouais, que ça gâche le plaisir, c'est sûr. Elle dit que c'est trop dangereux. Même s'il y a des tas de trucs super dedans. Ouais. Un plat de... Apparemment, il y a des... On va faire son petit tour, on va un peu... Voilà, c'est plein. Ouais, Florence. Hop, là, on est plein. Ah, du maïs, ça. On va faire du pop-corn. Allez, hop. J'aime bien leur tenue, des mecs. Ah, vous regardez pas les filles, attention. Hein. On ferme les yeux. Leur tenue, c'est un peu particulier. Hein. La tenue des mecs, c'est un peu spécial. Hein. Ils ont... pas énormément de tissu. C'est inquiétant quand même. Allez, ça c'est quoi? Un appel à l'aide. Ok, on va aller voir là-haut. Non, on peut pas grimper. Ah si, on peut grimper, yes. Ça. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas tester, hein? Bon, je pense pas que madame va être d'accord. Hein. M'étonnerait, je pense pas. Enfin, du moins, je me promènerai pas comme ça dans les rues, hein, avec ce genre de morceaux de tissu. Alors. Ouais, c'est vrai, Vénère. Thomas, c'est vrai, quand tu vois le pli du jeu, puis que c'est. T'es obligé complètement. Là, j'ai complètement baissé la qualité du jeu. Je suis passé en direct X11. Alors que j'ai une carte qui peut permettre de faire tourner le jeu en direct X12. Bon, il y a eu un patch hein, vendredi. Hein. Alors peut-être le patch a peut-être amélioré le jeu. Possible. Mais je suis pas au plus haut de la qualité. Hein. Parce que sinon, dès que je monte, ça drop. Et c'est même pas un souci avec mon PC, hein, c'est plus un souci. Je me suis abonné à un forum là, sur le jeu. Les gens ont plein de soucis avec ça. Plein de problèmes, surtout sur PC. Hein. Surtout sur PC. Alors lui ça va. Lui sa tenue elle est à peu près correcte. Hein. Voilà, je vais faire le tour, vous voyez, c'est à peu près correct. Hop. Gardez haute de madame. Hop. Là c'est des tomates. Tiens, on va aller dans l'eau, tiens, pour voir un peu ce que je pourrais récupérer. Pourquoi pas. Il y a peut-être des de l'or. Bon, on va aller voir ça. Non, il n'y a rien. Je crois qu'on peut nager plus vite comme ça, oui. Il me semble quand tu peux faire comme ça.
Ok. On a quoi là-bas? Ici, voilà. Ouais, c'est pas la peine d'aller plus loin, je pense. Hein. Ouais, je m'éloigne un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. On fait son petit tour comme d'habitude. Ouais, c'est beau! Avec les cascades comme ça, c'est joli. Hein. Ah, une plume. Tiens, c'est quoi ça? Plume d'aigle rare et solide, utilisée pour fabriquer des tenues rares dotées de capacités spéciales. C'est cool ça. Ah ben j'ai bien fait d'aller là, tu comptes faire. Des tenues dotées de compétences spéciales. Ah d'accord. C'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Bon, je me suis complètement éloigné de mon objectif, mais c'est pas grave. Ouais, moi je peux jouer un petit peu, ouais, voilà. Même si j'avais prévu de faire 3 heures de live aujourd'hui. Mais bon, c'était pas ma journée. C'était pas ma journée à streamer longtemps. Entre la 4G qui bug et puis XSplit qui bug parce que t'as une mise à jour derrière qui va arriver. Voilà. Ok. Peut-être passer le côté, récupérer plus d'artefacts pour déchiffrer les monolithes. Ah, il y avait des monolithes. Voilà, ça va. La pression est redescendue, les amis. Hein, parce que tout à l'heure, franchement, j'étais vraiment furax avec ce qui s'est passé. Esri et moi, on jouait tout le temps ensemble avant. Mais bah, vous y pouvez rien. Hein, c'est le fait que la 4G bug comme ça d'un seul coup. Il a beaucoup de choses à faire. Des choses importantes pour nous tous. Mais bon, il me manque. C'est lui qui lançait des pierres le plus loin sur la rivière. Elle a l'air toute triste, cette petite fille. C'est vrai, à ce point-là. Bah, moi aussi, hein, vous m'avez manqué. Hein, pendant 4 jours, j'ai pas streamé. Je vous cache pas que ça m'a manqué. Hein. Quand ça devient d'habitude, quand tu streames pratiquement bah, tous les jours. Hein, la semaine dernière, j'ai streamé. Je stream pratiquement tous les jours. Le fait d'être 4 jours comme ça à l'arrêt... Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez, jeune fille? C'est typique de l'adolescence. Ça manque. On repousse les limites. Pour moi, c'est un moyen vraiment de m'évader, quoi. Quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres. Ouais. Comment ça, ils lançaient des pierres? Ah, ici, là-bas. On va les faire curieux. Ah ouais, j'ai pas le couteau, c'est vrai. Peut-être avancer trop vite. Peut-être que j'ai dû avancer trop vite dans l'histoire. Donc pour l'instant, j'ai pas le couteau qui va avec. Pourrait que je l'améliore par la suite. C'est quoi ça? Des montées de pression. Ouais, en pression, ouais, ouais, non, mais c'était. Ah ouais. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Ah, faut pas croire, je suis un faux calme. Il faudrait faire quelque chose. Je suis un faux calme. Quand il y a quelque chose qui me chatouille les nerfs, généralement, vaut mieux pas être à côté. Hein. Tu as du bois ici, non? Même pas. Peut-être fabriquer des flèches. Non, même pas. Ok. On fait le tour du village, hein. On va regarder un petit peu ce que je pourrais récupérer. Oh, c'est pas un feu de camp, ça? Non, c'est pas un feu de camp. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ah ouais, moi aussi, je suis explosif.
Ouais, c'est pareil, hein, si on me chatouille de trop, moi ça part dans tous les sens. Hein. Ah ouais. Faut y aller, faut y aller vraiment, vraiment. Me pousser à bout pour m'énerver. Hein. Je vous cache pas qu'il faut. Il en faut beaucoup. Hein. Ouais, y a du monde ici, qu'est-ce qui se passe? C'est réunion là. Il en faut beaucoup, mais quand je suis énervé. Hein. Faut pas rester dans les parages. Hein. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Bon, regardez pas les filles, hein, les fesses du gars là. j'ai un angle de caméra là qui vous permet de vous faire voir quelque chose assez rare dans un jeu vidéo. Les fesses d'un homme dans un jeu vidéo, voilà. Voilà. Pour une fois, hein. Profitez-en, regardez vite fait. Il danse ici. D'après la légende, l'anneau des sept protégerait les richesses. Ah, c'est pareil, mais gamin. Il est absolument partout. Pas tout le temps agréable non plus. Hein. Ça n'a aucun sens. Pourquoi s'embêter à inventer une énigme pour qu'elle n'amène à rien? Ah, une crypte. Cool ça. Ici, on a quoi? Un document ici. Et. Ah, ouais, c'est là mon objectif actuel, d'accord. Oh, on est encore très loin. Hein. Et moi, je suis où exactement? Je suis ici. D'accord. Et ça, c'est quoi cette étoile? Ah, ce sont des plumes. D'accord. Je comprends mieux. Ah, c'est des bonnes fesses. Hein. Bien en forme. Hein. J'avoue. Ah ouais, c'est Florence. Ah ouais, peut-être Florence, je sais pas. Peut-être une façon de voir avec toi pour... je sais pas, comment discuter, etc. Ah, c'est là-bas. Je pense ici. Ouais, je coupe à travers, moi. Ouais, je pense que c'est là, il va falloir que je passe où alors du coup. Voilà, j'ai pas le couteau. Ouais, j'ai pas le couteau en fait. C'est ici. Voilà. Haken. Bah, ça a pas l'air de dropper. Bon, tant mieux. Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Ouais, Arnaud. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde? Quoi? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Oh, c'est le grand chef. Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! Le DLC de notre unité et de notre quel salut. DLC, Arnaud? Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il a pas l'air très accueillant comme... Il l'appelle déjà Kukulkan. Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais... Il a grandi... Allez, encore 10 minutes, puis après je stoppe. Au moins on aura testé... Mais pas vous. De nouveau le retour de ma 4G. Mon mari, voilà. Était son frère. Et là, le Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sairi ouais. Est mort. Et Amaru s'est dévoué au culte. Ah, d'accord. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Ah, de la rade, d'accord. Et elle sera prospère. Mais ils ont déjà sorti les DLC. Je le connais bien. Si Amaru réussit,
Ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Moi, je le prendrai pas, sauf pour info. Sauf s'il ne trouve pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Je... Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Parce que... Et la raison. Mort aux envahisseurs ! Le châtiment viendra ! Akan, assez ! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Oh. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ces gardes. Ah, tu vas t'abuser. Promis, ah, moi, là, je trouverai la boîte. Avec les soucis qu'il y a sur PC, ça ne m'incite pas à prendre les DLC. Hein. Franchement... Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Nouvelle tenue et armes dispo, bientôt 21. Ouais, je vais peut-être arrêter, Kenny. Jonah, je vais encore un petit 8 minutes, on va aller jusque. Tout va bien. Dominguez est ici. On va aller jusque 20h, des faits que j'ai pas fait un gros live aujourd'hui. Et après, voilà, on aura stoppé pour aujourd'hui. Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Ok. Trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Ok. J'étais le voir tout à l'heure, lui. Merci, Vénère. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. On se dit à bientôt. Pas de live demain. Pas de live vendredi. Trop, beaucoup trop de choses à faire. En IRL, donc. Vous allez pas me voir beaucoup, là, cette fin de semaine. Je serai très peu actif. Ah, moi, j'arrive à me débrouiller à faire un live vraiment au dernier moment, mais ça va être compliqué pour moi. Hein. Ça va être assez compliqué. En tout cas, merci d'être passé, et puis je te souhaite une bonne fin de semaine. Hein. Bien bientôt. Ah, voilà. Monolithe découvert. Cool. Ouais, comme je disais, Arnaud, hein, moi, je vais pas réinvestir dans Tomb Raider. Trop déçu que sur PC soit pas. Il a pas été fini le jeu sur PC. Quand tu vois que je suis obligé de baisser la qualité graphique, de passer en direct X11 pour que le jeu reste fluide, c'est pas normal. C'est pas normal alors que j'ai quand même un PC qui. Le PC est, en principe doit tenir la route. Hein. Et bon, c'est comme ça. Voilà, j'étais vraiment, vraiment happé, j'avais hâte de le découvrir, et puis ce plaisir-là m'a un petit peu, ce plaisir d'y jouer m'a un petit peu gâché, parce que le fait que sur PC il a été un peu oublié. Hein. Bon, je continuerai à y jouer, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez encore en voir du Tomb Raider, il faut que je le termine, hein. Moi, généralement, quand je fais un jeu, j'aime bien le terminer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de prendre son bain. Ouais, en train de prendre son bain, ouais, ok. Ouais, bah moi, je l'ai acheté, Forza Horizon 4, mais vu que le Game Pass, je suis pas tout le temps sûr de le prendre, j'ai préféré l'acheter, Arnaud. Excusez-moi. Mais merci de l'info en tout cas, hein, c'est plutôt pas mal. Parce que, bah, le Game Pass est plutôt pas mal. Après, ça reste rentable quand tu vois combien tu payes par mois. Le prix d'un jeu, c'est vrai que ça reste assez intéressant. Mais faut le prendre tout le long de l'année.
Et moi, vu que je suis pas sûr de le prendre tout le temps, le Game Pass, j'ai préféré plutôt acheter Forza Horizon, où moi je suis sûr de l'avoir tout le temps. Voilà. Je vais me faire à manger, ok, y a pas de soucis, venez. Désolé, je reprends vos messages après. Pourquoi c'est décalé là, attendez. Alors attendez. Ouais, c'est déjà. Ouais, bah faut te dire tête à l'informatique. Hein. C'est ça hein, l'informatique. Hein. C'est pas. Un console, t'es tranquille. Hein. De ce côté-là, t'es tranquille. Généralement, c'est rare qu'il y a des bugs. Et quand tu commences à avoir un problème avec un ordinateur, il faut. Bah, il faut être. Faut s'armer de patience. C'est surtout ça. Faut être très patient. Faire beaucoup de recherches. Savoir pourquoi ça bug. Pourquoi. Pourquoi tel et tel jeu est plus fluide qu'un autre, voilà, il faut faire beaucoup de recherches. C'est les joies de l'informatique, hein. Et moi, bon, l'informatique, ça a tout le temps été mon truc, hein. J'adore ça, moi, donc... Masque d'influence aztèque, orné d'éléments typiques de la région de Paititi. Et bizarre son masque. 56, ok, allez, encore 4 minutes. 4 petites minutes, puis après je stoppe. Une sauterelle, là. Ouais, ok. Ici on a rien. Là-bas on a quoi? Tout est plein. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, j'y suis allé tout à l'heure, je pense, hein. Ouais. Faut passer par où déjà? Ouais, on va faire. On va faire la curieuse. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ah bah j'y suis allé d'ailleurs. Ok. Bon allez, je vais essayer de voir pour rejoindre l'objectif. Il est... Et de quel côté? Oh, j'avais pas vu là. J'avais loupé cette pièce là, tiens. D'accord. Bon, on a de quoi faire, hein. On a de quoi récupérer. On a de quoi... Il y a des reliques, des documents... Des cryptes certainement. Ok. Oui, le jeu lag encore de temps en temps. Alors, pas où je veux passer? Ah, là-bas. D'accord. Pourquoi la regarder? Vous discutez avec? Ah non. Ah ici, voilà. On aura tout et ces rebelles sont les vrais enfants de Paititi, si vous voulez mon avis. Et je ne suis pas le seul à être de cet avis. Mais personne d'autre. Ouais, encore du drop, hein. La purification. Wow, là, je vais le voir, là, il y a du drop, c'est hein. La lignée de Nuratu qui devrait ça drop encore. Pour restaurer le soleil, plutôt que l'inverse. J'espère que ça va s'arranger avec ce problème de 4G, vous voyez, la 4G est pas stable. Hein. Alors, pas étonnant que les gens se taisent. Encore beaucoup de drop. Bon, bah, je vais quand même arrêter, les amis. Je vois que ça drop encore. XSplit vient de mettre des messages. Pas la peine de continuer. Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akane. Allez, ah c'est la dernière zone que je dois finir, hors d'accord. De Paititi. Disons que c'est varié. Ok. Le monde est très vaste. Bon, je vais stopper là, les plus amis. Plus que hein. Paititi. Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai? Tu veux bien m'emmener? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle? Fie-toi à l'odeur de mort. Si tu survis. Tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles.
Trouver la boîte d'argent à Dixchel. Ok. Bon, bah la trouvera plus tard cette boîte d'argent. Peut-être vous le verrez pas en live, ça dépendra. Ah, je me mettrai peut-être un peu dessus, jouerai un peu dessus si j'ai quelques. Un peu de temps libre, hein, on va dire. Si j'ai une petite heure de temps libre, on va jouer dessus. Ah, en plus, on a un feu de camp là. C'est encore mieux. Ah voilà, j'ai trouvé je mon feu de camp. Si tu aurais pu me préparer au c'est cool. De cet endroit. Bon, allez, je vous laisse. Les habitants, leur histoire. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore désolé. Hein, À l'écouter parler. Ouais, écoutez, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Ouais. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Oula, d'accord. Je dois l'arrêter. J'ai coupé la parole à Lara, c'est pas bien. Bon, allez, je vous laisse cette fois-ci. Lara n'a plus grand-chose à me raconter. Merci encore pour votre présence, malgré tout, malgré les soucis techniques. Encore désolé pour ça. Ça, c'est vraiment... Je peux rien faire. Ça, c'est comme ça. C'est le souci de streamer à 4G. Vivement la fibre. Voilà, j'ai un espoir. C'est prévu 2019, hein, mais début 2019, moi, je pense que je l'aurai pas avant l'année prochaine. Enfin, fin 2019, à mon avis. Et puis, il faut encore voir quel fournisseur va raccorder la fibre. Apparemment, ça serait SFR. Puis SFR, c'est pas génial. Hein. C'est pas le top au niveau fibre. Hein. Mais bon, on verra bien. On verra ça dans quelques mois, voire beaucoup plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le choix, je reste en 4G. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Bon appétit. Et on se dit à bientôt, les amis. Voilà, j'espère... pouvoir vous retrouver dans pas très longtemps, dans peut-être 2-3 jours, on verra bien. Voilà. Allez, je vous laisse, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.